Afin d'illustrer les aspects de réalisation d'une œuvre acousmatique, j'ai choisi de prendre le thème d'une œuvre que j'ai composée en 2011 qui s'appelle « Variation acousmatique ». Ce thème a été conçu afin de pouvoir composer 11 variations, véritablement des variations au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire des variations sur des aspects de ce thème, des motifs, des particularités. Et c'est pour ça que le thème, lui, est très articulé, à tendance un peu virtuose, un peu folle. C'est un thème que j'ai construit autour justement de l'idée de la folie, avec des éléments pris dans des œuvres du répertoire classique, Donizetti et Rameau pour des airs de la folie, et Paganini pour son violon du diable, son violon diabolique, sa virtuosité, ainsi que d'autres sons de type rebond, itération, alors soit en crescendo décrescendo rythmique, soit en, de façon plus stable, suivant les cas, et quelques motifs aussi d'explosion. Nous allons donc maintenant écouter ce thème dont je parlerai ensuite dans ses différentes composantes. Bien, après avoir entendu donc ce thème, je vais faire entendre maintenant donc la même chose, mais en retirant tout ce qui n'est pas mélodico-harmonique. C'est-à-dire, je ne fais entendre vraiment que ce qui a construit l'œuvre sur ce plan mélodique et harmonique. Donc, on a à l'image le thème en entier. Là, on voit sur l'écran, et je passe donc. On retrouve la même chose, mais cette fois-ci débarrassé de tous les sons qui ne sont pas à hauteur repérable. Et je fais donc écouter maintenant cette partie, mais seulement l'aspect mélodique et harmonique de la pièce. Alors là, on a pu entendre donc finalement le cheminement, la grille harmonique, on pourrait presque dire, le cheminement des sons qui ont été accordés entre eux afin de créer des enchaînements simples mais efficaces sur ce plan harmonique. Je voudrais mettre l'accent par exemple sur la basse, sur les éléments qui constituent la basse, qui sont ceux qui sont en violet, là, que je sélectionne maintenant, et faire entendre donc leur parcours mélodique. Donc hauteur très repérable. Il en va de même pour le suivant.
pour le troisième, on descend un petit peu. De plus ou moins un demi-ton. Et le quatrième, à nouveau on descend. Donc ces quatre impacts graves construisent le cheminement, la base fondamentale, on pourrait dire, de ce thème, dans la mesure où au-dessus on a des évolutions harmoniques qui correspondent à la fois à une ouverture du spectre de l'ambitus et de la tessiture, mais aussi à une forme d'assombrissement harmonique. Du fait qu'à la fin, bon, on récupère, si on peut dire, de la gamme, enfin du jeu du violon, on récupère des accords de septième diminuée, donc ceci. Et sinon, dans le cheminement mélodique, on a également une construction qui se fait sur le modèle du premier son, qui sera toujours le modèle, on va le voir par la suite, qui sera toujours le modèle des morphologies que j'ai construites pour élaborer cette œuvre. Donc on a cette forme-là, mélodique, avec hauteur stable, puis glissé, puis petit impact final. Et si je fais entendre l'ensemble, maintenant on remarque, je vais le prendre à partir d'ici, qu'on reste relativement stable. Pareil pour ces interventions. Et là, avec donc cette montée mélodique, et c'est ici qu'après ce mouvement glissé ascendant, qui vient imiter le motif ascendant qui est chanté, enfin qu'on entend par les voix féminines, ce motif ascendant va permettre de générer ensuite une ouverture mélodique, dans la mesure où certains sons vont aller vers l'aigu de façon presque infinie, par une sorte de bouclage, tandis que le motif glissé qu'on entend montant va se mettre à descendre dans la partie la plus basse. Le grave qui est ici, on l'a entendu tout à l'heure, il est stable. Nous avons donc ici les sons joués par un violon qui monte sans fin, en même temps que nous avons ici ce son électronique qui glisse vers le grave, et pendant que surgit progressivement ici un motif, lui, à nouveau stable, c'est-à-dire il ne monte ni ne descend. Voilà, donc là, on a eu le plus grand écart de tessiture de la pièce, c'est le point un peu central et culminant. Et on retrouve ensuite une stabilité à nouveau. Après l'aboutissement. Qui permet à un motif mélodique de s'épanouir de façon plus calme, plus tranquille, on pourrait dire, avant de repartir dans une forme d'instabilité que j'ai décrite tout à l'heure. On peut voir ainsi que cette partie mélodico-harmonique est à la base de la construction de ce thème. Alors dans un deuxième temps, je fais entendre maintenant les autres sons, c'est-à-dire non pas ceux qui constituent l'aspect harmonico-mélodique, mais ceux qui constituent cet aspect de rebond dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout ce qui fait relancer le discours par des morphologies très marquées, très distinctes et très bondissantes, c'est le terme. Et finalement, le premier son, toujours le même, celui qu'on voit ici en vert un peu cru, sert de modèle
à tout niveau, aussi bien dans l'idée de rebond que dans l'idée de profil mélodique, que celui d'itération régulière, de stabilité ou de glissement. Et c'est vraiment un motif générateur de tout ce qui suit. Donc on écoute cette partie de rebond de l'œuvre, mais on peut voir évidemment qu'ici, il y a un long silence que j'ai respecté, qui est celui où se passent d'autres éléments. Donc, en bref, on a au début et à la fin ces sons de rebond. Voilà, donc là, on a effectivement entendu tout ce qui bondit dans ce thème. Maintenant, nous allons entendre chacun de ces sons séparément. Alors ensuite, on aborde les autres sons, c'est-à-dire ceux qui sont itératifs, hein, ces trains d'impulsion, mais qui n'ont pas de ce caractère de rebond accélérant ou ralentissant. Donc c'est l'autre partie, si on peut dire, de ces sons un peu agités également. Je fais entendre donc dans l'ordre où ils arrivent dans l'œuvre, hein, avec la succession originel de ce thème. Donc maintenant, nous venons d'entendre les sons qui ont un caractère granuleux et aussi qui ont des allures. Les allures, selon la terminologie schaefferienne, c'est la façon dont les sons avancent, dont ils sont animés. Et donc là, nous avons des allures relativement régulières où les impulsions se répètent de façon assez stable. Alors ensuite, j'ai abordé un autre aspect, cette fois-ci celui de l'orchestration, c'est-à-dire qu'à chaque articulation, il y a des sons un peu plus marquants et que ces articulations doivent être bien définies. Et pour cela, donc, un seul son ne peut pas suffire. Donc, c'est des superpositions de sons qui vont permettre d'obtenir vraiment la couleur souhaitée et aussi d'adapter ces sons qui ne font pas toujours des hauteurs déterminées, mais de les adapter justement au schéma harmonico-mélodique que j'ai décrit tout à l'heure. Donc on entend une première impulsion. Qui est constituée donc de ces sons que je fais entendre maintenant séparément.
Et si je fais entendre les deux premiers qu'on vient d'entendre séparément, si je les fais entendre ensemble, donc on obtient ceci. Ensuite, j'ajoute un troisième à ces deux-là. Donc on entend un glissando, un profil mélodique ascendant, une hauteur fixe, repérable. Donc j'ai ajouté là un grain dans le son, une matière hein, granuleuse. J'en rajoute une autre. Donc là, ces deux sons-là qui sont superposés l'un sur l'autre, hein, ce sont à peu près les mêmes couleurs. Voilà, l'un est un peu plus grave, l'autre est un peu plus vif, etc. Voilà, donc le mélange de ces deux sons crée une matière assez définie et en même temps un peu riche. Donc je refais entendre ces deux-là et on rajoutera ensuite sur la dernière colonne le son qui manque. Alors on peut remarquer ici que ce son qui fait cette hauteur définie s'entend assez peu. Si je fais entendre tous les sons sauf celui-là, ça donne un résultat sonore donc qui est quasiment identique, mais j'avais besoin de cette hauteur à peine audible mais quand même utile dans le cheminement harmonique que j'avais installé. Donc sans ce son et maintenant avec ce son. Voilà, donc ça donne une hauteur, une fréquence repérable, mais pas prédominante. Nous passons maintenant à un deuxième exemple d'articulation. Et là encore, je vais faire entendre les éléments constitutifs de cet ensemble-là. Donc là, deux des sons, les deux du haut, maintenant superposés. Donc on comprend bien que le petit son de rebond qui est là-dessous est donné comme une forme de résonance provoquée par ce glissé à profil mélodique simple. Ensuite, deux autres. Là, et les deux superposés. Et pour la partie grave de cette articulation faite par superposition, donc les deux derniers sons auxquels j'ajoute un autre son pour donner un peu plus de rondeur, qui est tout à fait de la même famille. Donc en les superposant, c'est simple. Donc là, on a eu cette superposition. Maintenant, je passe à un troisième exemple. Cette fois-ci, je fais entendre les éléments qui le constituent. Seulement le début, alors ce premier son. Je ne le mets pas en entier. Et celui-là. Pareil, je ne le mets pas en entier, pour faire entendre très clairement l'analogie, en fait, qu'il y a entre ces deux sons, c'est-à-dire l'analogie dans l'allure, ce tri des sopranes qui relaye cette oscillation. Donc je fais entendre le mélange entre les deux. Si on écoute seulement le début, c'est-à-dire avant que les voix se développent dans leur motif ascendant, on ne repère pas forcément justement que ce sont des voix. On entend une oscillation qui est équivalente à celle
du premier son. Et c'est petit à petit, par cette analogie et par cette superposition décalée, comme ça, que l'on peut passer justement d'un son d'un autre caractère à ce son de voix, qui est un caractère beaucoup plus présent, évidemment, pour l'écoute de chacun. Ensuite, un autre exemple, à nouveau, cette fois-ci, je fais entendre chaque élément séparément. Voilà, donc ça, ces cinq éléments constituent l'articulation suivante, dont je fais entendre la superposition des deux premiers, puis des deux suivants, et ensuite à ces deux-là, on ajoute justement deux autres. On peut repérer par les couleurs lesquelles ils sont. Et donc le résultat total. Alors celui-là est différent dans la mesure où il ne s'agit pas d'une articulation vive, mais plutôt de colorer une tenue, qui est celle-ci. Alors on l'entend, c'est une mise en boucle de la voix et qui est assez mécanique. Et donc je lui superpose ces sons-là pour un petit peu casser justement cet aspect mécanique et pour enrichir aussi la couleur. Donc la superposition des deux fait ceci. Le sixième exemple, toujours dans cette idée d'orchestration, où je fais entendre les sons séparément, puis deux par deux, en faisant entendre un peu tous les éléments qui constituent cette fin en fait du thème. Donc un impact aigu auquel on rajoute un grave. Assez simple et banal. Les deux étant accordés pour être dans des relations harmoniques adéquates. Donc là, on peut entendre ce qu'on a eu avant comme motif auquel s'ajoutait cet éclat qui lui aussi est accordé. On entend dans la résonance qu'on reste sur des hauteurs identiques. Ensuite, un autre élément, cette fois-ci un rebond stable, un autre, un motif descendant, et un troisième, un motif ascendant. On retrouve ici ce que j'avais décrit pour la partie centrale, d'avoir à la fois une ligne stable, une ligne montante, une ligne descendante. Donc quand on ajoute ces trois-là, et le résultat total de tous ces éléments qu'on a entendus séparément, puis deux par deux. Maintenant, nous allons voir en quoi le premier objet sonore, celui-ci, en vert cru,
influence finalement les constructions de tout ce qui va suivre. Alors, on l'écoute. Au début, on a un rebond sur une hauteur stable, puis un glissé et une petite impulsion derrière. Donc ce modèle-là, on le retrouve agrandi dans un sens ou dans l'autre, ou parfois qu'une partie dans toutes les figures qui vont suivre. Alors je fais entendre les éléments qui constituent ce thème. Alors ici, on a eu le glissé montant et descendant, puis le petit impact final. Donc on n'a pas eu le moment stable du début. On a eu malgré tout l'impulsion rebondissante, si on peut dire, du début, mais pas le moment de stabilité. Pour la figure suivante, là, on retrouve au contraire l'élément de stabilité après une légère impulsion de départ et avec l'idée toujours aussi de rebond, cette fois-ci assez stable, hein, qui n'accélère pas vraiment ni ne ralentit. Et le glissé, là, est donné par le profil mélodique des voix qui montent. Donc on retrouve effectivement des éléments du premier son que je refais entendre à nouveau. Et une figure suivante, toujours sur ce modèle. Cette fois-ci, donc, on a eu un moment de stabilité très très bref après l'impulsion de départ et une montée plus longue et toujours une petite impulsion de fin. Ensuite, sur la figure suivante. Donc sur cette figure, on est un peu à l'envers, on pourrait dire, dans la mesure où on a d'abord le profil ascendant, le glissement, puis le motif plus stable, et à la fin, le rebond, l'impulsion rebondissante. On a donc trouvé ici, c'est la partie centrale, un agrandissement, en tout cas, de la figure de départ, et pour la fin de la pièce, on retrouve le glissé sur la fin, alors il n'y a plus l'impulsion finale, la petite impulsion finale, mais on retrouve le moment de stabilité qui s'installe non au début, mais au centre. Donc un schéma assez proche de ce son d'origine. Il est aisé de remarquer que dans toutes ces explications, on navigue assez facilement entre l'aspect anecdotique et causal du son et puis des aspects plus abstraits, c'est-à-dire que à partir du moment où un son est très marqué morphologiquement, on peut en oublier parfois la cause. Tout dépend effectivement de la façon dont on articule tous ces sons-là. Et dans ce thème, il est vrai que je joue particulièrement sur des analogies, dont une par exemple comme ici, où on passe de la voix à des sons donc d'oiseaux, on peut clairement dire la source sonore, c'est assez aisé à entendre, mais en même temps que la voix, pour pouvoir ensuite passer à un son d'un autre ordre, qui est un grincement, en fait, comme un grincement de porte, je mêle au son de voix ce grincement. Alors on ne l'entend pas trop dans la superposition générale, mais ça lui donne déjà ce caractère grinçant, justement, diabolique, pourquoi pas, qui est le propre de ce thème.
Et donc, c'est en ayant superposé ces deux sons-là, celui-là et celui-là, que je donne à la voix ce côté grinçant. Et ce grincement qu'on retrouvera ici. Et ici, autant la voix est un peu sarcastique, un peu diabolique, un peu folle, autant ce son qu'on vient d'entendre là, lui est plutôt mélodieux et moins grinçant d'une certaine façon que ne l'est la voix et que ne le sera la voix ensuite, puisque après ce qu'on vient d'entendre, on entend le rire qui éclate en rebond. Voilà. Et les oiseaux sont là pour aussi être une autre voix, un peu comme des observateurs, un peu moqueurs peut-être, puisque je les ai accordés harmoniquement en plus sur la base de violon. Et ils sont en plus en rythme. Hein. On entend puip, tuit, tuit, exactement sur la pulsation lente donnée par le violon en sous-bassement. Nous allons maintenant donc réécouter ce thème que je vais commenter au fur et à mesure, à la fois sur le plan des articulations et sur le plan de la structure. Donc ici la forme de départ, la réponse, un temps d'attente, et donc là on agrandit la formule de départ, et c'est une première partie, deuxième relance, sur le point central, le moment central, avec l'ambitus le plus large. On est descendu dans le grave, on est monté dans l'aigu, et là on repart sur une stabilité qui va éclater en haut du crescendo, donc, et redescente avec un moment de relatif calme. Pour aboutir sur une percussion-résonance, on pourrait dire. Ce thème est construit d'une façon très simple, avec un son de départ qui lance, un point culminant au centre et puis une chute. Tout ce qu'il y a de plus simple, finalement. Mais l'ensemble est constitué d'une dizaine d'éléments, des articulations très construites, qu'on pourrait presque qualifier d'objets sonores, et qui sont tous très caractérisés, avec des morphologies très marquées, dans des dimensions du son très appuyées, et qui m'ont permis ensuite de composer les 11 mouvements qui constituent ces variations acousmatiques. Thank you.